au lieu d'honorer Dieu pour ce qu'il est. Certaines personnes méprisent complètement son nom. Jésus nous a dit que nos paroles révèlent ce qui est dans notre cœur. Quand nous entendons ce que nous disons sur Dieu, que cela nous révèle-t-il quant au contenu de notre cœur? Entre parenthèses, avez-vous déjà remarqué que seul le nom de Dieu des chrétiens est utilisé pour jurer? Partout où on peut entendre ou utiliser en vain Dieu, Seigneur, Jésus ou Christ, mais jamais d'autres noms. On entend rarement, si ce n'est jamais, « Oh Bouddha !» lorsque le professeur t'aura rendu le résultat de ton test. De même, on n'entend pas dire « Oh Allah !» pour maudire quelqu'un. Est-il possible que l'ennemi mortel de notre âme, qui connaît très bien le nom du vrai Dieu, prenne grand plaisir à entendre son nom utilisé en vain et se soucie moins des autres? Le côté le plus terrifiant de ce commandement est que tous les jours, beaucoup de gens l'enfreignent sans en avoir conscience, et ce bien que ce soit le seul des dix pour lequel Dieu ajoute la menace d'une sanction. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom en vain. Est-ce que nous en sommes inquiets? Eh non. Pourtant, nous devrions l'être.